Laisse ton sac ici dans la voiture où tu vas. Je suis déjà à parler, tous les gens se connaissent. Connectez-vous, connectez-vous. Okay. Partagez le direct. Ok, allez, tout le monde est en. Enfant d'Indé. Partagez le direct. Le peuple de la résistance de Berlin présente les morts du Nozo et les morts du Cameroun. Ouais, mais je suis en train de parler, non. C'est en train de passer. Okay. Le peuple de la résistance de l'Allemagne présente ses morts. Présente ses morts au monde entier. On y va, l'équipe est là. Partagez le direct. Connectez-vous, partagez le direct. L'ambassade de l'Allemagne va tomber. L'ambassade du Cameroun en Allemagne peut en tomber. Partagez le direct. La diaspora est déterminée à renverser le régime dictatorial de Paul Biya. Ça, c'est une détermination. Ils vont le faire nuit au jour. Ils vont le faire jusqu'à ce que la paix revienne aux Nozo. Partagez. Jusqu'à ce que la paix revienne, nous allons remettre ce Cameroun aux Camerounais. Ils vont remettre le Cameroun aux Camerounais. Ils sont déterminés à le faire. Peuple de la résistance, la patrie ou la mort. On va les chasser. Si l'ONU arrive, il faut que tu envoies la caméra bien avant de partir. D'accord? Peuple de la résistance, partagez le direct. Partagez le direct. Appelle-moi enfant d'une vie. Partagez le direct. Allez, partagez le direct, partagez. Paul Biya doit partir. Partagez. Ce drapeau descend oui. Tout simplement pour que le drapeau de la paix monte au Cameroun. Nous aimons ce pays. Partagez-nous ce direct. Paul Biya doit partir. Tu vas savoir. Partagez. Non au génocide. Non. Zéro génocide. Le génocide est terminé. Oui. Le génocide est terminé. Paul Biya doit partir. Le Cameroun va revenir aux Camerounais. Donne-moi les potions de sang là. Ça, c'est le sortez, c'est le sang des Camerounais en train de couler. C'est le sang oui, du sortez. Nozo qui coule. Sortez. C'est le sang du Nozo qui coule. Nous sommes morts depuis. Nous sommes morts depuis. Pas de rien. C'est fini avec cette vieille dictature. C'est fini. Paul Biya doit partir. Partagez, c'est fini. La vieille dictature de 38 ans est terminée. Le peuple, la résistance est debout. C'est fini. La dictature est finie. Paul Biya doit quitter. Paul Biya doit partir. Partagez. Oui. On ne peut plus continuer. Oui, c'est moi, fini. Ne finissez pas les potions là. Le sang du Cameroun qui coule aujourd'hui sur nous aussi. Bien, on va mettre le genou ici. Le sang du Cameroun qui coule. Le sang du peuple du Cameroun en train de couler. On dit non. Zéro génocide au Cameroun maintenant. Paul Biya doit partir. On ne peut plus continuer à dormir. Oui,
On ne peut plus continuer. Il a massacré tout un peuple. Il a le pinceau. Il a la pointe. Donne-moi le pinceau. Vous ne filmez pas aujourd'hui. Paul Bia doit partir. Paul Bia doit partir. La dictature de 40 ans est terminée. Oui. 40 ans de dictature, c'est terminé. Le peuple de la résistance est debout. C'est fini avec cette vieille dictature. Nous disons non au génocide. Zéro génocide au Cameroun. Paul Biya doit quitter ce pouvoir. Oui, on ne peut plus continuer à dormir quand notre peuple est en train de mourir. Nous disons non au génocide. Non au génocide. Paul Biya doit quitter le pouvoir. Il a massacré tout un peuple. Partagez. Un pays sans président. Un pays qui est gouverné par une photo. Un pays qui est gouverné par un zombie. Paul Biya doit partir. C'est mort aujourd'hui, c'est mort. Le sang de tous les Camerounais qui ont coulé. Oui. Ouais. Nous disons non au sang qui se verse au Cameroun chaque jour. Paul Biya a massacré le peuple camerounais. Non au génocide. Non au génocide. Nous allons arrêter le génocide anglophone qui a cours au Cameroun depuis 2016. Ce génocide qui suit le génocide Bamileke et Bassa de 1955 à 1971. Nous purifions cette maison pour arrêter ce génocide-là. Qui veut nous suivre, nous suivre. On accepte. On est Bamileke. Et c'est nous qui voulons la révolution. Paul Biya doit partir. Qui doit nous suivre, nous suivre. L'heure, c'est l'heure. Paul Biya doit partir. Libérez les Camerounais. Nous sommes les peintres de la paix. How many people Paul Biya go kill? Oh? How many people Paul Biya go kill? How many people Ngongo go kill? Oh? How many people Shantou go kill? How many people Shantou go kill? How many people Frambia go kill? How many people Framba go kill? Oh, he go kill Witaya. Oh, he go kill Witaya. Oh, he go kill Witaya. How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? Oh? How many people Ngongo go kill? How many people Ngongo go kill? How many people Ngongo go kill? How many people Frambia go kill? How many people Frambia go kill? Oh, he go kill Witaya. Oh, he go kill Witaya. Oh, he go kill Witaya. How many people this man go kill? Ils doivent partir. Stop. Assassin Paul Biya, le père des génocidaires. Assassin Paul Biya, le père des génocidaires. Non au génocide. Nous sommes ici devant l'ambassade du Cameroun à Berlin pour dire non au génocide de Biya Paul. Partagez le direct. Biya Paul doit partir. Il est temps. Peuple camerounais, levez-vous pour arracher votre liberté. Le sang a déjà trop coulé dans ce pays. Peuple camerounais, levez-vous. Nous disons non à ce génocide-là. Nous ne pouvons pas continuer à dormir quand notre peuple est en train de mourir. Quand Biya Paul est en train d'assassiner tout un peuple. Peuple camerounais, levez-vous pour défendre votre liberté. Le sang a déjà trop coulé dans ce pays. Plus de 40 000 morts. Peuple camerounais, levez-vous. Réveillez-vous.
Regardez comment le Cameroun est dirigé par une photo. Tu libères ton pays la nuit. Le Cameroun est libre. Nous allons libérer ce Cameroun. Le Cameroun doit se libérer. Nous disons non au génocide de Biapol. Voilà. Non au génocide de Biapol. Le Cambia a lancé un génocide au Cameroun depuis 2016. Voilà. Élisée, c'est un peu à partir d'ici. Mais dès que la police, il ne faut pas partir sans nous donner enfant, le téléphone. Enfant d'une vie. Tu dis? Enfant d'une vie. Ok. Le papa sans nous donner le téléphone. D'après. Mm-hmm. Paul bien assassin. Paul bien assassin. Paul bien assassin. Partagez le direct. Partagez le direct. Le peuple camerounais est debout pour dire non à ces génocides. Partagez le direct. La diaspora est déterminée à détrôner ce régime dictatorial. Ce régime satanique, ce régime de Biapol, 40 ans de dictature, c'est le trop. Il est temps pour le peuple camerounais de se lever. Partageons le direct. Le peuple camerounais s'est bien décidé à libérer son pays. La diaspora est déterminée. Partageons le direct. Nous avons un mardi noir, un mardi Guéguerou au Cameroun. Pas de passeport, il y a la guerre au Nozo. Nous devons respecter les humains, partager le direct. La diaspora est déterminée à faire son devoir. La diaspora est déterminée. Tous ceux qui sont là pour le compte de le passeport, nous sommes désolés. Il y a la guerre au Nozo. Il faut arrêter d'être individuel dans la vie. Arrêtez de penser à soi-même. À chasser Biapol, le dictateur. Les familles sont géants, c'est tout par rapport à Biapol. Élisez le téléphone. Prends. Élisez le téléphone. Mais voici, prends. Voici mon portage. Prends. Le génocide de Biapol doit quitter. Paul Biya assassin. Paul Biya assassin. Paul bien assassin, bien assassin. Non au génocide. On va se coucher. On se couche tout simplement. Ils vont nous porter, ils vont nous amener. En fait, les morts sont morts. Les morts sont morts. Paul bien assassin. Paul bien assassin. Paul bien génocidé. Paul bien assassin. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes épuisés. Nous sommes fatigués du génocide. Avec un peuple qui se meurt. J'ai mon téléphone et un pays qui est dirigé par une photo. Désormais, cette maison est inhabitable. Ces bureaux sont salis par le sang de ceux qui sont tombés. Prends le noir plutôt. C'est ça, parfois, ça manque. C'est le film qui a lieu au Cameroun. Depuis des décennies, nous vivons. Tu me fermes. Ferme. Et aujourd'hui, on dit non. Nous sommes venus ici crier notre race de bonne. Vous dites que. Nous disons non au génocide. Le code, c'est quoi? Non. 1-1-2-2. 1-1-2-2-3-3. Bien assassin. Bien assassin. How many people, Paul Biago Kilo? 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 He go kill me, Taya. Oh, he go kill me, Taya. Oh, he go kill me, Taya. How many people, Paul Biago Kilo? Le Cameroun sera libéré. Le Cameroun doit se libérer.
Oui. Paul Biago Kilo. Ah, many people. Paul Biago Kilo. Peuple camerounais, levez-vous pour arracher votre liberté. On ne peut plus continuer à dormir quand bien Paul est en train de nous assassiner. Peuple camerounais, levez-vous pour défendre votre liberté. Nous disons non au génocide de bien Paul. Bien Paul doit partir. Oui, bien Paul doit partir. How many people? How many... Jusqu'à ce que le Cameroun se libère, jusqu'à ce que on remette la paix aux Camerounais. Fais-moi, s'il faut. Le Cameroun de Biya, ce Cameroun illégitime, ce Cameroun, tu montres quoi? Vas-y, vas-y. Ce Cameroun illégitime qui gouverne notre pays depuis octobre 2018, ce Cameroun-là, illégitime, va disparaître. Partout où la résistance camerounaise est présente dans la diaspora, nous sommes déterminés, ce sont les morts qui vous parlent aujourd'hui. Armée de morale, nous sommes prêts à sacrifier nos vies. Nous avons donné notre liberté pour que celle de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir au Cameroun se lève comme des rayons de soleil pour lui partout dans notre triangle national. Et c'est le peuple de la résistance, de la diaspora en Allemagne, qui a pris ses responsabilités en main aujourd'hui. Nous sommes devenus aujourd'hui des peintres de la paix. Ah oui, oui. Les peintres de... La paix. La paix. De la paix. Les peintres de... La paix. Nous sommes aujourd'hui les peintres de la paix. Ce sang qui a été versé, il est versé, il purifie cette maison aujourd'hui afin que les morts du Nozo, qui se chiffrent en dizaines de milliers, reposent enfin en paix et que sur ce sang-là renaisse un Cameroun nouveau. Et vous qui êtes là au Cameroun, qui nous suivez, ce sacrifice est fait pour vous. Ce sacrifice est fait pour Ruben Oniobe, pour Félix Moumier, pour Ernest Wandier, pour toutes ces personnes-là, Charles Atangana, Douala Mangabel, Martin Paul Samba, pour Sa Majesté Biloua, pour le président élu Maurice Kamto, pour Penda Ekoka, pour Valsero, pour Michel Ndoki, et même pour les traîtres au Cameroun. Ah oui, oui. Cette purification est faite pour eux. Le Cameroun que nous voulons sauver n'est pas un Cameroun qui nous appartient à nous seuls. C'est un Cameroun qui appartient à tous. C'est ce qu'on appelle la République, c'est-à-dire la Res Publica. Ah oui, la Res Publica. C'est-à-dire la chose de tous. La chose de... De tous. La chose de... Tous. Un pour tous, tous pour un. 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 Assassin Paul Biya, le père des génocidaires. Assassin. Assassin Paul Biya, le père des génocidaires. Aïe oh, aïe oh. Nous sommes fatigués de vivre de l'enfer dans ce pays. Un pays qui a des possibilités, des capacités. Mais alors, qu'est-ce que les populations vivent? Dirigé par une photo. Alors, Paul Biya doit partir. C'est le mot d'ordre. Nous avons dit que tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont morts dans cette lutte, dans ce combat, dans ce combat légitime, tous ceux qui sont décédés par là, nous sommes fatigués. Nous disons non. Combattant, viens d'abord. Combattant, viens d'abord. Montez ici. Ah oui, oui. Pourquoi? Je suis à la 15e photo, les gars. Non,
Prends les photos dans, avec l'autre appareil. C'est si oui. Dans ce sens, ok. Nous disons non à ce génocide. Nous sommes tellement populaires que la police aussi. Ah oui, les gars, il y a tu as les photos, sont contents. Nous disons non. Voilà. À ce génocide. Viens. Hein? Vas-y, tu le prends aussi. Le Cameroun est un beau pays. Le Cameroun est un grand pays. Mais dirigé par des feignants. Et des moins que rien. Non, c'est ça. Nous n'avons pas peur de dire et d'affirmer ici que le Cameroun nous appartient à tous. Personne ne peut se prétendre propriétaire du Cameroun. Alors, le moment est venu pour changer les choses et pour dire que nous ne sommes plus des cobayes. Continue. Changez de position, changez de position. Nous sommes à la maison familiale. Vous êtes des peintres de la paix. Ah oui. Peintres de la paix. Vous êtes les peintres de la paix. Les artistes du changement, des peintres de la paix. Comme dit Dan Rota, pas Evelyne? Was wir jetzt machen, weil wir sind jetzt tot. Es sind mehr als 13.000 Leute, die in Kamerun gestorben sind. Lassen wir das verstehen. Wir haben wirklich kein Problem mit der deutschen Regierung, mit der Bundespolizei. Hören Sie mir gut zu, wenn Sie fertig ja. Sind. Kommen Sie gleich mit runter? Ja, auf jeden Fall. Hören Sie mir zu. Wir legen Ihnen die Handfessel an erstmal und, und überprüfen Ihre Personalien. Ja, ohne dass Sie irgendeiner Stress machen. In Ordnung. Okay. Ja, wir können auch jetzt. Wie lange jetzt wollen Sie hier noch rumhandeln? Ja, wir, unsere Arbeit ist noch nicht fertig. Wir haben noch Arbeit. Wir wollen erstmal hier erzählen. Wir wollen was erzählen. Der Botschafter erreicht und der sagt, wir dürfen hier rüberkommen. Kommen wir rüber. Le peintre de la Révolution, ils font quoi? Yes. On va les montrer comment on travaille. Yes, ça c'est le sang du lozon comme ça. Ok. Ça c'est le sang du lozon. Vous allez travailler là-bas, nous on travaille. Si vous avez versé le sang, nous on représente ça ici. Voilà. Oui. Ça c'est le sang du lozon comme ça. Oui. Tu vois comment ces gens-là sont? Vous voyez comment ces gens-là sont? Ils prennent des résolutions. Ils disent à Paul Biya d'arrêter tout le massacre qu'il est en train de faire. Paul Biya n'arrête pas. Nous, en fait, c'est une hypocrisie. Eux, ils ne disent rien. Maintenant, quand nous, ici, là, on vient s'exprimer, les gars viennent nous demander de laisser tomber et tout, parce que les, ce sont les intérêts qui sont préservés. Tout c'est terminé. Fini, c'est fini. Je vous remercie. Madame, nous sommes solidaires une fois de plus avec toutes ces personnes qui ont été interpellées au Cameroun depuis la mobilisation pour la libération totale du Cameroun. Et en commençant, nous n'allons pas partir du 26 janvier, nous partons de novembre 2016, quand la contestation anglophone s'enracine dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Nous sommes debout ici aujourd'hui pour dire que nos morts, nous ne les oublions pas. Jamais. Nous sommes ici pour dire que jamais. Les anglophones, c'est que eux, ils subissent au Cameroun, c'est un génocide tout court. Tout à fait. L'organisation de... Tous les gonds. Ja. Wollen Sie uns schon mal Ihre Personalien geben, Ihre Ausweise? Ja, auf jeden Fall. Dann geben Sie mal schon durchs Tor, dann können wir schon mal ein bisschen Zeit sparen. Okay. Ich habe die Vitamin von dir. Super. Viens, viens.
regardait donc le peuple camerounais, que la police camerounaise prenne. Mais il y a encore un peu, tu me dis pas. Ne finis pas. On n'a pas fini. Mon œuvre n'est pas terminée. Ok, écris maintenant. Nous sommes des peintres de la paix. De la paix. De la paix. Bon, je vais aller lui parler. Okay. Je vais donner un message à la police camerounaise. Regardez comment une police se comporte. Lorsque vous interpellez un manifestant, vous l'enregistrez tout simplement et vous le laissez rentrer chez lui. Vous n'avez pas besoin de le brutaliser pour quelque chose qui est écrit dans la Constitution. Donc, c'est comme ça que la police allemande qui est chargée de protéger les citoyens allemands, elle fait son travail et nous l'aidons à faire son travail. Voilà. Nous sommes aujourd'hui ici encore, nous sommes encore là et nous reviendrons encore et encore. Jusqu'à ce que Paul Biya parte, jusqu'à ce que le régime de Paul Biya dégage, nous serons toujours là. Nous ne pourrons pas dormir. C'est ça. Nous reviendrons encore, encore, encore et encore. Parce que nous réclamons quelque chose qui est normal et pour tous, qui a un sens. Montrez les écritures là, chaque fois que vous montrez. Non, ne tourne pas, ne tourne pas. Tu tournes, là il va se couper. Voilà. Allez montrer, pendant que je me concentre avec eux. Montrez, filmez tout ça. Parlez. Voilà. Partagez le direct. Nous ne voulons pas cacher ici. Que notre mécontentement face à génocidaire Biya, aujourd'hui a fait des un président mort. La France-Afrique, qui est un instrument pour terroriser et déstabiliser les nations africaines, et le Cameroun en particulier, qui a jusqu'ici à son dos des milliers, une dizaine de milliers de morts après une crise qui a commencé par la revendication des enseignants. Par une revendication des enseignants et ça a suivi la revendication du corps de la justice. On a vu des avocats qui sont allés dans la rue. Mais tellement comme ce gouvernement est un gouvernement qui terrorise les gens, ils ont traumatisé et ils se sont moqués. Alors, tellement comme c'est un gouvernement qui s'est pressé, qui s'est utilisé du marteau pour cogner et frapper. Alors ils n'ont pas pris en compte les revendications de ceux-là qui demandaient de la paix au Cameroun. Tu nous files. Les avocats qui sont allés dans la rue pendant cette période ont été réprimés. Les enseignants qui sont allés dans la rue ont été réprimés. Et ça en a suivi aujourd'hui ces milliers et milliers, ces dizaines de milliers de morts. C'est ce sang de ceux-là aujourd'hui que nous venons peindre ici pour bénir et pour purifier cette maison. Parce qu'ici, on se retrouve exactement dans le territoire du Cameroun en Allemagne, à Berlin. Et ici, nous sommes comme à la maison. Si quelque chose ne va pas, alors on va à la maison, on remet les choses en ordre. Nous allons faire tomber ce régime. La diaspora aujourd'hui est plus que jamais debout pour se battre aux côtés de ceux qui ont un sentiment patriotique envers leur nation. Voilà, je vais donner un message très important. Tu peux filmer là, montrer cette voiture qui part là dehors, qui va là dehors. Voilà, l'ambulance est aussi là. Cette ambulance n'est pas là parce que nous l'avons appelée. Parce que dans un état qui se respecte, on sait que les peintres de la paix que nous sommes, qui sommes là pour libérer l'humanité, ils peuvent avoir des... Partagez le direct. Et il faudrait soigner ces gens-là. C'est ce que nous demandons d'ailleurs pour notre peuple au Cameroun. Nous n'avons pas plus de temps que vous. Nous n'avons pas plus de temps que vous. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, ceux qui sont là autour de moi aujourd'hui, sont en train de vous le dire clairement que les ambassadeurs de la paix qui sont autour de l'ambassadeur Diouf Djibeli aujourd'hui ne laisseront jamais la paix à cet ambassadeur illégitime, à cette ambassade dont les services sont illégitimes aujourd'hui en Allemagne. Tant que notre peuple s'affaissera dans ce cachot, tant que notre pays sera au fer,
nous n'allons jamais l'accepter. Et si vous entendez un jour au Cameroun que la résistance s'est affaiblie ici à Berlin ou en Allemagne, il faut comprendre que nous aussi, nous sommes en prison. Nous ne pouvons pas jouir de cette liberté, jouir des héros de la liberté ici, des héros et de la liberté ici, tant que notre peuple est séquestré, tant qu'on emprisonne des Camerounais dans leur maison. Et nous en profitons encore pour dire beaucoup de courage à Bibou Nissak, beaucoup de courage beaucoup de courage au professeur Alain Foguet, beaucoup de courage à tous ces anonymes-là qui ont été interpellés et dont la presse et les médias en général oublient très souvent ces anonymes-là. Nous sommes debout aujourd'hui pour eux. Biya, c'est un assassin et les assassins doivent être traités comme tels. Nous l'avons toujours dit, lorsque des vieux, nous avons un respect profond pour les vieux, et lorsque des vieux assassinent la jeunesse, quand la vieillesse piétine la pépinière, c'est de mauvais vieux, ce sont des sorciers, il faut jeter les mauvais vieux au feu, c'est-à-dire jeter les sorciers au feu. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ce mardi 13 octobre, nous sommes les princes de la paix, nous sommes les artistes de la paix, et nous disons encore, l'assassin Paul Biya, le père de Jésus-Christ, aïe yo, oh, aïe yo, oh, assassin Paul Biya, le père de Jésus-Christ, aïe yo, oh, aïe yo, oh. Venez à l'arrière, notre œuvre n'est pas terminée. How many people? Paul Biago Kilo, how many people, Paul Biago Kilo, how many people, Paul Biago Kilo, how many people. Non, c'est là, c'est la grande guerre. Ne finis pas la peinture là-bas. How many people, Paul Biago Kilo. C'est ici d'ailleurs. Voici la porte centrale. C'est fermé. C'est ici, non? C'est fermé. Yeah. How many people go kill? How many people go kill? How many people go kill? How many people biapol go kill? How many people biabo go kill? How many people atango kill? How many people atango kill? How many people chantu go kill? How many people chantu go kill? How many people ngongo go kill? How many people ngongo go kill? How many people chantu go kill? How many people chantu go kill? How many people from Biago kill? How many people from Biago kill? You go kill it, Aya. Oh, you go kill it, Aya. Oh, you go kill it, Aya. How many people pull Biago kill? How many people go kill? How many people go kill? How many people from Biago kill? How many people from Biago kill? How many people atango kill? How many people atango kill? How many people sadi go kill? How many people sadi go kill? How many people momo go kill? How many people momo go kill? You go kill it, Aya. You go kill it, Aya. You go kill it, Aya. How many people from Biago kill? Peuple camerounais, nous sommes ici devant l'ambassade du Cameroun à Berlin pour dire non au génocide de Biapol. Biapol a déjà assassiné plus de 20 000 Camerounais et nous ne pouvons pas continuer à dormir. Nous devons nous lever pour sauver notre peuple. Si nous sommes dehors aujourd'hui, c'est parce que nous en avons marre. Nous ne pouvons plus continuer à accepter que ce gouvernement sanguinaire et dictatorial continue à boire le sang de nos frères. Nous devons nous lever pour chasser ce dictateur Biapol. Le dictateur Biapol doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya must go. Paul Biya must go. Il est temps que nous chassons ce vieux dictateur. Biapol doit quitter le pouvoir dans les minutes qui suivent. Nous sommes devant l'ambassade du Cameroun aujourd'hui pour chasser définitivement ce dictateur. Biapol doit. Biapol doit. Parti. Paul Biya must go. Paul Biya must go. Ok.
Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Peuple camerounais, levez-vous. Levez-vous pour défendre le sang de notre frère, de vos frères. Vos frères et sœurs sont en train vos frères et sœurs sont assassinés par le gouvernement illégitime de Biapol. Nous ne pouvons plus continuer à accepter que cette dictature nous piétine. Cette dictature nous a massacrés, nous a torturés. Nous sommes debout aujourd'hui pour dire non à ces criminels, à ces génocidaires Biapol. Peuple camerounais, levez-vous pour défendre votre liberté. Parce que la liberté ne se donne pas. Elle doit s'arracher. Sortez pour défendre votre liberté. Peuple camerounais, allez dans la rue. Allez dans la rue défendre votre liberté. Vous devez vous lever tous pour chasser ce dictateur Biapol. Biapol doit quitter le pouvoir. Paul Biya doit... Parti. Paul Biya doit... Parti. Attention, quand on dit Biya doit quitter le pouvoir, c'est-à-dire son système. Parce qu'en fait, les morts ne bougent pas. Biya n'est que légume. Donc, il faut que ce système permette enfin aux Camerounais de comprendre que l'humanité est née libre. Ah oui, oui. Ah oui, oui. J'en profite encore pour attirer l'attention des parents par rapport au vaccin, à la campagne de vaccination qui a lieu en... au Cameroun présentement là. Donc ne faites pas vacciner vos enfants. En salle de conférence. Ne faites pas vacciner vos enfants. Vous savez comment ça se passe. On donne de l'argent au gouvernement. En échange, ils acceptent de faire vacciner les populations. Et ces vaccins sont hautement nocifs. Je dis bien hautement nocifs. Donc faites très très attention. N'acceptez pas de faire vacciner vos enfants. Alors vous voyez, comme ça, on est dans une situation où la légitime défense, c'est quelque chose. On est en pleine légitime défense. Les gens se meurent, le peuple se meurt. Et il n'y a personne qui est là. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on est là juste pour un plaisir. Mais nous ne sommes pas là pour un plaisir. Nous sommes là parce qu'on revendique quelque chose de droit. On revendique quelque chose de légitime. Nous sommes abusés, nous sommes frustrés et beaucoup de personnes ne parviennent pas à s'exprimer. Et aujourd'hui, on se dit, il y a un moyen pour dire non à cela. Il est temps que nous nous levons dans une même pensée pour affirmer notre existence en tant qu'être humain, en tant qu'être humain. Parce que l'important est qu'on doit manifester. La manifestation est publique, c'est permis. Pour le criminel, pour le criminel, pour le assassin. Paul Biya must go! Ce film! Paul Biya must go! Paul Biya criminel! Paul Biya génocidaire! Transistance de l'ordre de choses que je te fais! Transistance! Visite ma chaîne! Visite candidateur! Paul Biya must go! Das machen wir! Paul Biya must go! Wir schon tot sind! Paul Biya must go! Paul Biya must weg! Paul Biya criminel! Paul Biya assassin! Sie waren sich tausend Leute schon gestorben! Dieser Botschafter genießt Freiheit in Deutschland. Aber er will keine Freiheit für seine Bevölkerung in Kamerun. Paul Biya must go! Paul Biya cet ambassadeur juif! Cet ambassadeur jouit d'une liberté incroyable ici en Allemagne, mais il ne veut pas prendre ses responsabilités afin que les siens au Cameroun sachent comment est-ce qu'un peuple peut être libre. On doit le savoir, la mission d'un ambassadeur, c'est de représenter aussi les intérêts de son peuple partout où il est. L'ambassadeur Jean-Marc Paye, contre qui nous n'avons rien de personnel avec lui, nous disons tout simplement que quand une résistance naît dans un pays, cette résistance, elle doit être totale. La résistance doit être... totale. La résistance doit être... totale. La résistance doit être... totale. La résistance doit donc être totale. Et quand une résistance, elle est totale, ce qu'on doit comprendre là, c'est que un ambassadeur, lorsqu'il se retrouve ici, il prend ses responsabilités, il oublie ses lettres de créance et puis il prend le côté du peuple. Donc nous invitons aujourd'hui l'ambassadeur Jean-Marc Paye, qui est par ailleurs illégitime, de tout simplement rencontrer le gouvernement allemand et demander l'asile. On va lui accorder cet asile-là. Je pense que
Depuis qu'il travaille ici, il a de bonnes relations avec ce pays. Donc on va lui accorder cet asile et qu'il nous rejoigne dans le combat afin qu'on libère notre pays. Que l'ambassadeur Jean Mapai rejoigne la résistance. Stance. Que l'ambassadeur Jean Mapai rejoigne la résistance. La résistance. Voilà. J'invite donc les ambassadeurs du monde entier, c'est-à-dire qui représentent le Cameroun partout ailleurs, à rejoindre la résistance, à abandonner les lettres de créance de 38 ans de dictature pour rejoindre cette résistance. Parce que la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Oui. Viens. Quand les deux aussi parlent, il faut s'intéresser à eux aussi. Ouais. Viens. On va faire notre petite conférence. Encore. Also wir möchten hier der Botschaft sehen, weil soll unbedingt, kann nicht immer so fliehen, immer fliehen. Soll hierher kommen. Donc, je suis en train de dire que l'ambassadeur doit venir ici. Mm-hmm. On l'attend. Si je veux le voir ici. C'est non, on ne peut pas sortir. C'est lui qui va nous faire sortir. L'ambassadeur est légitime. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Il est illégitime. Oui. Je veux le voir ici parce que le peuple de la résistance a un message à lui délivrer. Wir haben eine Botschaft für den Botschafter. Wir haben eine Mitteilung für ihn. Nous avons un message pour l'ambassadeur. Merci, nous voulons merci, merci. Nous attendons aussi l'ambassadeur Paye. L'ambassadeur illégitime Paye. Nous allons voir aussi aujourd'hui. Parce qu'il doit demander l'asile. On va l'accueillir du côté de. Le père génocide. Le père de la nation. Il va venir en Allemagne ici pour demander l'asile. Il va venir nous rejoindre dans le processus d'asile. Au moins, il a de très bonnes relations avec lui. Geduld, wenn er kommen kann, dann sprechen wir mit ihm und gehen und kommen wir zur Polizei. Okay. Grundsätzlich wäre es uns möglich, aber das können wir dann vor Ort besprechen. Aber es ist gut, wenn das Ende erstmal kommt. Non, c'est l'ambassadeur. Il arrive ici, c'est quand même. Ganz kurz, dann gehst du. Also, wir versuchen gerade Kontakt aufzunehmen mit dem Botschafter. Ja, ja, ja. Sehr gut. Vielen Dank. Es ist so, wenn wir ihn erreichen, dann wird er höchstwahrscheinlich auch kommen. Er will auch sehen, was sie hier gemacht haben. Ja, ja, ja. Aber wir können ihn nicht versprechen. Wenn wir ihn nicht erreichen, dann wird ja auch niemand erscheinen. Und bis heute Abend können sie auch nicht. Also, wenn er am Telefon sagt, dass wir jetzt auch können, dann nehmen wir sie gleich mit, verstehen Sie? Ja, auf jeden Fall, wir wollen auch nicht die Politik Schmutz machen. Nee. Wir machen frei, wir wissen, was wir machen hier. Ja. Es geht wirklich um Menschen, die in Kamerun sterben. Wir haben nicht so. Ich kenne sie, damals bei dem Aufzug Richtung TU, Hans-Reuter Platz, waren sie auch dabei gewesen. Hier war doch schon vor einem Monat war doch ein Aufzug und losgelaufen. Ja, ja, ja. Über 100 Leute Richtung TU. Da waren sie auch da. Ich kenne sie ja. Ich war auch da gewesen. Ja, ja. Ich kenne die Situation. Brauchen Sie nicht erzählen. Okay. Ja, aber wie gesagt, wir warten jetzt eigentlich nur darauf, entweder kommen sie jetzt freiwillig raus, ja, weil sie haben ja eigentlich schon alles gemacht. Oder der Botschafter sagt, wir dürfen jetzt raus. Dann springen wir rüber und dann holen wir euch raus. Ja, auf jeden Fall. Wenn sie aber sie hier uns wäre es natürlich lieber, wenn ihr freiwillig rauskommt. Weil ihr wisst ja nicht, wie lange wollt ihr denn jetzt noch machen? Der Kollege hat euch jetzt so viel Zeit eingeräumt. Ungefähr eine Stunde, aber wir wollen. Aber der Botschafter, ist hier in Deutschland für Kamerun. Ja, aber wenn wo ist der Botschafter? Das ist unglaublich. Das weiß ich. Habe ich verstanden. Ja? Aber wenn der Botschafter.
Also, er ist der Vertreter von Kamerun hier. Wie kann er verschwinden? Verschwinden? Und das ist so, dass sie regieren. Okay, ganz kurz, ich unterbreche. Ich habe gerade gehört, der Botschafter wird nicht herkommen. Ja. Er hat uns jetzt am Telefon gesagt, wir dürfen rauf. Also, jetzt letzte Chance. Entweder Sie kommen jetzt freiwillig rüber oder wir springen jetzt rüber und dann holen wir euch raus. Nee, wenn er kommt, er will kommen. Er will kommen. Er kommt nicht. So, wie gesagt, redet mal. Have any people! Wir haben kein Problem mit deutscher Polizei. Donc, j'explique rapidement. Film, et tu te mets là. Ils veulent escalader pour nous faire sortir. J'ai exigé que l'ambassadeur illégitime vienne ici. Il a d'abord promis qu'il va arriver. Et maintenant, oui, il a promis qu'il va arriver. Et maintenant, il a peur, il recule. Regardez un ambassadeur qui représente tout un pays. Il est en train de se défiler comme ça. J'ai demandé qu'il vienne ici et qu'il s'explique devant le peuple de la résistance que nous avons un message pour lui. Il faut qu'il arrive. Demande-lui de sauter. Ich habe eine Frage. Können Sie mal nachfragen bei den Leuten jetzt hier, wer schon mal bei der Polizei Fotos und Fingerabdrücke gegeben hat? Waren Sie schon mal bei der Polizei? Ich auf jeden Fall. Ich nicht. Le jour où on vous a... Er nicht. Ja. Ich auch nicht. Ja. Okay. Wer hat denn schon mal? Wer hat schon mal? Ich. Ja. Du. Und... Du auch? Ja, am 26. September. Ah, okay. Wo es gab ein Missverständnis. Okay. Ja. Alle, ja? Er ist derjenige, der nicht... Der Einzige, der noch nicht gemacht hat. Ja. Okay. Und die anderen jetzt vor kurzem, im September, ja? Bitte? Jetzt im September war das, ja? Letzten Monat. Nee. Das war letztes Jahr. Oh, schon alt, ja? Ja, okay. Das war letztes Jahr. Alles klar, danke. Sie können weiterquatschen. Okay. Donc, en fait... Ils se rassurent qu'il n'est pas encore connu de leur service. Oui, merci. Donc, ils nous reconnaissent, ils disent tout simplement qu'ils aimeraient prendre des empreintes. C'est ce qu'on vient d'arranger avec eux. Donc, nous attendons de pied ferme l'ambassadeur Jean-Marc Paye ici. Nous voulons le voir. Nous n'avons aucun problème personnel avec lui. Tout ce que nous voulons, c'est de lui demander officiellement de rejoindre le peuple de la résistance parce que c'est possible. Il doit tout simplement dire au Cameroun, aux Camerounais et aux Camerounaises qu'il en a marre de représenter des assassins en Allemagne. C'est tout ce que nous voulons. Oui, on chante pour accueillir... Pour accueillir l'ambassadeur.
Nous allons parler bêtis. Ambassadeur, on a besoin de toi ici. Ambassadeur, voilà. Anneva. Tu vas venir à genoux et nous expliquer ce qui se passe. Voilà. Nous sommes ici avec le représentant de la résistance, l'ambassadeur, qui dit qu'il a besoin de son collègue, de son ancien collègue ici. Il doit venir ici nous expliquer. Peut-être il peut encore aller rejoindre des autres à Eisenhüttenstadt pour demander l'asile. Il a de très bons contacts ici avec le gouvernement allemand. Là encore, on peut voir si, dans quelle mesure, en revenant rejoindre la résistance, on peut voir comment gérer avec lui. Mais sinon, on a besoin de lui ici. Il doit se présenter, nous expliquer à la résistance ce qui ne va pas et comment est-ce que ça peut être possible que dans un pays comme ça, des choses comme ça arrivent. Parce qu'il doit nous rendre des comptes. Oui, et j'ai même un message très important à donner présentement à la police allemande. Entschuldigung. Unser Botschafter soll sich versichern, dass wenn er hierher kommt, werden wir ihn nicht festnehmen. Das ist klar. Ja. Okay. Oui. Je viens tout simplement de dire à la police allemande de rassurer à l'ambassadeur que s'il vient ici, je ne vais pas l'arrêter. Je ne suis pas comme les policiers du Cameroun là. Il est en liberté ici, qu'il vienne jouir de sa liberté. Donc c'est ce que je dis tout simplement, qu'il vienne. Plusieurs leaders politiques, parmi lesquels le guide de la résistance, le guide de la Renaissance aussi, le guide de notre détermination, le président élu, son Excellence Maurice Kamto, a dit « N'ayez pas peur ». Donc je dis à l'ambassadeur illégitime, Monsieur Jean Mampai, viens, venez, n'ayez pas peur, nous n'allons pas vous arrêter. Donc, venez jouir de vos libertés ici en Allemagne. Vous les refusez à notre peuple, mais venez. On ne va pas vous refuser. Dès que vous les voyez, ils entrent là. Vous levez seulement les mains et puis on voit comment ça va se passer. Nous on ne fait aucune résistance. Kein Widerstand. Vous comprenez, non? On sort. Ouais. On n'a pas de problème. Est-ce qu'ils ont besoin d'amener les 3 mètres pour sortir? Moi j'ai quelle taille pour qu'on amène 3 mètres pour me faire sortir? On est tous bêtis aujourd'hui là. Ah mais ça va de chaud, hein. Das wird gerade überprüft. Ein Mitarbeiter der Botschaft ist gerade hier unterwegs. Aber nicht der Botschafter, sondern. Nee, hören Sie zu. Lass mich aufsprechen, danach höre ich Ihnen zu. Kein Problem, ich weiß, Sie sind emotional gut dabei. So, nicht der Botschafter, sondern nur ein Mitarbeiter. Kommt hierher. Wir haben jetzt noch weitere Kräfte da vorne stehen. Ja? Die sind jetzt dazugekommen. Wenn der Mitarbeiter kommt mit dem Schlüssel, schließt er uns auf, sie kommen rein und dann nehmen wir sie mit. Ja? Aber auch nur die erkennungsdienstlich behandelt werden müssen. Da, wo alles noch frisch ist, mit Bildern, die können dann gleich gehen. Ja? Ja. Aber das klären wir jetzt noch ab, wer eventuell mit uns mitkommen muss. Ja. Wie gesagt, die Zeit haben wir jetzt noch. Ja, können noch Videos und Fotos machen. Aber sobald der Mitarbeiter da ist, mit dem Schlüssel kommen wir rein, ja? Ja. Wie gesagt, wir wollen keinen Stress, wir wollen ihn auch nicht wehtun. Ja? Deswegen, wenn wir da sind, wollen wir, dass sie freiwillig rauskommen, ja? Ja, auf jeden Fall kommen wir raus. Ja. Das Problem, der Botschafter ist ein Vertreter. Wie kann ein Vertreter einen Vertreter hierher schicken? Das ist Kamerun. Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen, kenne ich nicht. Ja? Okay. Wie gesagt, wir haben gesagt, dass er hier erscheinen soll, aber er sagt, er kommt nicht.
Ja, mehr können wir auch nicht machen von der Polizei, ja? Okay. Ja, das ist Bescheid dazu. Okay. Danke. Donc, ce que je ne comprends pas dans l'attitude des Camerounais, l'ambassadeur, M. Jean Mampaye, est ici pour représenter le Cameroun. La police est là. Le peuple de la résistance explique. C'est-à-dire le peuple camerounais que nous représentons ici l'invite à se présenter ici. Il dit d'abord qu'il arrive après. Ils ont dit qu'il a envoyé un représentant. Comment est-ce que un représentant envoie un représentant? Donc, nous attendons le représentant du Cameroun ici. Et ça ne m'étonne pas. Au Cameroun, c'est Ngongo et ses petites copines qui représentent Biya et ses grands copains qui ont disparu. Donc, c'est ainsi que le Cameroun est gouverné. Que cet ambassadeur-là n'a même pas le courage de venir rencontrer son peuple ici. C'est un peu comme la photo qui gouverne le Cameroun. C'est un peu comme dans cette situation. Quoi? Un Cameroun qui va... Peuple de la résistance, vous constatez effectivement ce qui se passe ici à Berlin. L'ambassadeur Paye, qui est supposé être l'ambassadeur illégitime, n'est pas là aujourd'hui. La police allemande vient de prendre contact avec lui, mais il a fui. La question qu'il faut se poser, c'est comment un représentant d'un pays peut, en ce genre de situation, fuir ses responsabilités. Ça veut tout simplement dire que le Cameroun dans lequel nous vivons est une merde. Rien ne fonctionne plus aujourd'hui au Cameroun. Et nous sommes aussi là pour demander à ce que ce gouvernement illégitime de Biya Paul libère également toutes les personnes qui ont marché le 22 et qui se trouvent aujourd'hui dans des cellules, dans des prisons, sans aucun motif. Nous demandons également la libération immédiate du présent élu, son Excellence Maurice Kamto. Ça fait déjà plus de 2 semaines que Maurice Kamto est enfermé chez lui. Maurice Kamto est enfermé chez lui, ça fait déjà plus de 2 semaines. Et aucun Camerounais ne s'agite, ce qui est totalement inacceptable. Le peuple camerounais doit se lever à l'instant où nous sommes, parce qu'il est l'heure, pour défendre sa liberté. Le peuple camerounais doit défendre sa liberté. Nous devons nous lever pour prendre nos responsabilités en main. La libération du Cameroun dont nous parlons est actuellement dans les rues. Si vous restez chez vous, si vous continuez à dormir, en aucun cas, le Cameroun ne pourra se libérer. Vous devez vous lever tous pour appeler à la libération de tous les prisonniers politiques, pour appeler à la libération de Mamadou Mouta, pour appeler à la libération du leader anglophone Aliou Tabé, Séseko Mulius. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. Nous devons tous nous lever. Hommes, enfants, mamans, tout le monde doit se lever à l'instant où nous sommes pour prendre nos responsabilités en main. Nous n'acceptons pas qu'un groupe d'individus, une poignée d'hommes, nous massacre jusqu'à ce point. Nous sommes désormais debout et ce Cameroun doit changer maintenant. Nous sommes debout et nous n'allons pas nous coucher tant que ce Cameroun ne sera pas libéré. Nous demandons le départ immédiat du génocidaire Biya Paul et de toutes ces créatures. Biya Paul doit quitter le pouvoir. Biya Paul doit partir. Biya Paul doit quitter le pouvoir. Oui, c'est tout à fait clair que vous voyez, ça fait une heure de temps que nous sommes là. Même la police. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le sang. Nous disons non au génocide en zone anglophone. Nous disons non au crime contre l'humanité au Cameroun. C'est ça la réalité. Le peuple camerounais a besoin d'être libre. Le peuple camerounais a besoin de se lever le matin et aller à l'école. Nous vivons dans un pays où la conscience n'existe plus. Nous vivons dans un pays où on torture les enfants, où on massacre les enfants. Nous disons non, parce que c'est terminé. La récréation est terminée. Nous allons mettre fin à cette dictature. Cette dictature doit prendre feu. Vous allez lire l'heure sur le calendrier chinois. Venez, vous n'avez pas. Là, on va faire une déclaration. Voyez-vous, c'est ça.
Photo. Ok. Ils sont tous là dedans. C'est bon. Tous sont pas dedans. Bon, tu peux de temps en temps venir et puis rentrer tout simplement. Ok. Une fois de plus, salut patriotique au peuple de la résistance. Je m'adresse maintenant à ceux qui sont restés au Cameroun, ceux qui sont en train de nous regarder ou ceux qui vont suivre cette vidéo après. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est tout simplement l'âme des morts du Nozo, l'âme des morts de la précarité au Cameroun depuis des années que vous connaissez, que je ne cite plus aujourd'hui. C'est l'âme de ces personnes-là qui se déploie aujourd'hui pour dire un dernier sacrifice pour que le Cameroun se lève. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous dire que cette image que nous donnons aujourd'hui de ce Cameroun-là, ce n'est que du sang. Vous ne me direz pas le contraire. Ce n'est que le sang que nous regardons dans ce pays-là depuis plusieurs années. Le génocide qu'il y a eu dans notre pays, on regarde celui qui est en train de se passer aujourd'hui pour attendre les professeurs d'histoire, les enseignants d'histoire pour nous dire dans 15 ans, il y avait un génocide anglophone au Cameroun. Nous les contemporains, nous les vivants, nous les témoins de l'histoire, qu'avons-nous fait? Nous avons donc décidé de donner de notre liberté aujourd'hui parce que ces personnes-là, ces morts-là, les morts aussi peuvent être témoins de l'engagement des vivants. Aujourd'hui, je vais envoyer un message au peuple de la résistance du Cameroun en vous demandant déjà de faire un grand hurrah comme ça, à Bafang. Hurrah! Hurrah, Bafang! Hurrah, Bafang! Hurrah, Bafang! Hurrah, Bafang! Vous allez le faire, nous le disons, pas tout simplement parce que le peuple Bafang, le peuple de la résistance à Bafang est le seul debout. Nous le disons pour l'acte de détermination, pour leur intrépidité, pour leur courage qu'ils ont affiché le 6 octobre dernier. Nous allons faire ce hurrah au peuple de la résistance de Mbouda, si juste une dizaine ou une quinzaine ont défié la corruption, la peur instituée là-bas par Nganou Djoumessi et Jean Kouété, secrétaire général du RDPC. Quand je dis, nous disons hurrah à Bouddha. Hurrah Bouddha. Hurrah Bouddha. Hurrah Bouddha. Hurrah Bouddha. Quand nous envoyons ces hurrahs, c'est pour que ça s'éparpille dans ce pays-là, afin que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les résistants et les résistantes prennent la graine de Bafang et de Mbouda afin de se tenir debout pour lancer l'assaut final à la conquête des libertés qui nous échappent depuis que notre chemin a malheureusement croisé celui des prédateurs au fusil blanc en 1884. Parce que c'est là où tout commence. Je n'ai pas oublié l'épisode de l'esclavage. Donc, à partir de 1884, on nous a divisé. On a divisé l'Afrique, on l'a partagé comme un gâteau. Et plus tard, le problème que nous vivons aujourd'hui, le Cameroun, après que l'Allemagne ait perdu la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été partagé entre deux gourmands, l'Angleterre et la France. Nous avons aujourd'hui le Nozo. Mais j'invite encore mes frères anglophones à comprendre que la haine qui existe au Cameroun ne sera jamais une haine entre les peuples. Ce n'est pas une haine entre le peuple anglophone et le peuple francophone. J'ai jusqu'aujourd'hui soutenu ceux qui se présentent. Je dis bien soutenu ceux qui pensent que s'il en est ainsi, il vaudrait mieux, au lieu de continuer à mourir tous les jours, que des gens, que des Amazoniens aient leur portion de terre
qu'ils vont gérer. Moi, je suis panafricaniste. Je ne militerai jamais pour que l'Afrique qui aspire à s'unir se divise. Mais dans le même temps, je n'accepte pas qu'on assassine des anglophones comme c'est le cas. Donc, un État amazonien est en train de naître tout simplement parce que Biapol et ses créatures ont donc décidé, d'assassiner ces anglophones-là en réprimant dans le sang et pas des arrestations arbitraires, ponctuelles de torture. Il a donc arrêté toutes ces personnes-là afin que la voie de la contestation n'aille pas loin. Regardez où on en est aujourd'hui. Dans le sang. Donc, ce qui fait que j'invite le peuple de la résistance, et je vais réitérer ce que je vous ai dit avant le 22 septembre, pour dire que vous qui ne vous levez pas au Cameroun pour chasser ce dictateur, vous serez contraint de le faire parce que de toutes les façons, aucun peuple n'est condamné à vivre dans la prison. À un moment donné, par je ne sais quel moyen, malheureusement, les armes vont crépiter à Yaoundé, à Douala et partout. Et c'est ce peuple-là qui est en train de se cacher aujourd'hui, qui n'aura aucun endroit où se cacher. Quand on arrête au faciès, c'est les germes du tribalisme qu'on institue ainsi. Quand on fait cela, ça veut dire que demain, dans les ténèbres, vous allez retrouver des gens assassinés dans les villes de Yaoundé, dans les villes de Douala, Bafoussam, Bafan, partout, comme ça se passe dans le Nozo aujourd'hui. Et ils l'auront décidé parce qu'ils vont même créer ces milices-là eux-mêmes pour vous essayer de vous pousser à la faute. Donc, on ne peut pas partager le direct. On ne peut pas chasser un dictateur de 52 ans, parce que les gens oublient que Biapol, avant de devenir président de la République par nomination en 1982, a été pendant longtemps premier ministre au Cameroun, si ma mémoire est bonne, depuis 1975. Avant 1975, il a été au cabinet civil. Regardez pendant combien de temps un seul homme préside à la trône, à la destinée d'une nation. Vous-même qui m'écoutez aujourd'hui, quand vous avez un enfant qui va à la cible et qui reste dans cette place-là pendant 3 ans, vous vous inquiétez. Biapol fait quoi sur place depuis 40 ans? N'y a-t-il pas des Camerounais capables d'honorer même ce principe même qui est indissociable avec le terme changement? Il faut que ça change. Et vous le savez, la peur ne sauvera personne. Au contraire, la peur que vous êtes en train de nourrir au Cameroun, au point de laisser des personnes qui, tout récemment, dans la mémoire, notre mémoire proche, en janvier passé, de janvier à octobre, ont passé tous ces mois de prison parce qu'ils voulaient vous libérer. Qu'est-ce que le professeur Alain Foguet, M. Penda Ekoka, le président élu, Valsero, toutes ces personnes-là, Michel Ndoki, toutes ces personnes qui, s'ils n'ont pas des matricules au Cameroun, elles ont des affaires qui marchent en tant qu'avocat, en tant qu'ancien conseiller à la présidence. Ces personnes-là ne demandaient rien qu'à Dieu que de s'asseoir et jouir du fruit de leur travail. Ils se lèvent, ils partent s'asseoir dans 4 murs pendant 9 mois. 9 mois, c'est le temps de l'enfantement, pour qu'au sortir de ces 9 mois-là, ils accouchent un nouveau Cameroun. Mais vous restez chez vous parce que vous vous dites que le président élu a une baguette magique. Non, c'est John Fundi qui attrapait les balles en 1992. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Nous n'attrapons pas les balles. Nous avons tout juste cette parole pour vous demander de sortir. Aucun miracle
n'amènera le Cameroun à prendre, les Camerounais et les Camerounaises à prendre leur destin en main. Le combat que nous menons, c'est un combat pour la dignité, afin que nos sœurs et nos frères qui sont enfermés aujourd'hui dans l'esclavage en Libye, au Yémen, en Arabie Saoudite, pour que ces personnes-là soient désormais regardées comme des hommes et des femmes qui ont leur place à la table des hommes, à la table des humains, je veux dire. Il faut comprendre que tant que le Camerounais ne sera pas respecté, tant que l'Africain ne sera pas respecté en Afrique, n'attendez pas que ce soit les voisins qui respectent vos semblables. Ils auront partout dans les rues de New York, de Harlem, à Washington, partout, ils auront le genou posé sur leur cou. Donc, c'est que l'on nous fait ici, le traitement qu'on nous réserve ici, en Allemagne, en Europe, en Occident, en Asie, partout dans le monde, c'est le reflet du même traitement que vous opposez à vos frères au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, partout où la France-Afrique, le pré carré français, s'est installé. Et quand j'évoque la France-Afrique, j'aimerais envoyer ce message très clair. Nous avons tous vu le brillant hésiter lorsqu'on lui a demandé, c'est un élu français, si j'ai bonne mémoire, qui lui a posé la question de savoir qu'en est-il de la séquestration du chef de l'opposition camerounaise, sinon le président élu, en dehors de toute fraude électorale. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il a demandé à l'administration Biya en 2019 que si tous ses opposants ne sont pas libérés, il ne met pas le pied au Cameroun. Regardez quelle arrogance avec laquelle on traite notre peuple. Ça veut dire que Jean-Yves Le Drian, il est sûr et certain que c'est lui la clé de la libération de ceux que nous avons choisis pour nous représenter. Mais quelle insulte au 21e siècle! J'imagine Ruben Oumniobé, Ernest Ouandié, toutes ces personnes se retourner dans leur tombe. Partager le direct. Se retourner dans leur tombe. Comment est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères de la France puisse, au jour d'aujourd'hui, avoir tant de pouvoir au Cameroun? Je le dis tout simplement pour que vous compreniez que si la France n'avait pas toutes ses racines au Cameroun, il y a très longtemps qu'on ne parlerait plus de Biya. Il faut le dire clairement. Et nous interpellons comme ça la France, les services secrets français qui sont dans ce live, de comprendre que notre détermination, elle est totale. Elle est totale parce que la France, désormais, avant d'arriver au Cameroun, ne doit pas tout simplement apporter des parapheurs pour signer des contrats et des appareils photo pour filmer la beauté du Cameroun, une beauté qui est dans le sang, comme nous le démontrons aujourd'hui. Ils doivent venir désormais avec le parapheur des droits de l'homme. La planète appartient à tous, comme je l'ai dit. Ce n'est pas la peine de dire aux Français que vous allez quitter le Cameroun, mais si vous n'êtes pas venu pour respecter notre peuple, prendre la place qui est la place de l'étranger, quand vous avez arrivé chez le voisin, il vous donne une place, ça ne veut pas dire qu'il vous a donné toute sa maison et sa famille que vous pouvez aider à tuer à volonté. Si la France n'est pas aux côtés du peuple camerounais, nous, sans relâche, nous nous mettrons aux côtés de la résistance du peuple français, avec des Françaises et des Français, pour dire non à l'Élysée, afin que cette France-Afrique, quitte et le Cameroun, quitte le Mali, quitte le Togo, quitte le Tchad, quitte en fait la Côte d'Ivoire, le pré-carré qu'ils ont installé depuis
1945, avec la complicité de l'ONU, parce qu'il faut le dire, c'est partager le l'ONU, direct. L'ancêtre de la SDN, la Société des Nations, créée en 1919. C'est cette société-là qui nous... C'est ces organismes-là ou ces organisations qui nous canalisent dans la colonisation française et qui savent jusqu'aujourd'hui ce qui se passe. C'est cette histoire-là. Elle est la nôtre, elle est la vôtre. C'est l'histoire du Cameroun, c'est l'histoire de l'Afrique équatoriale française, c'est l'histoire des enfants de la révolution que nous sommes. C'est l'histoire du peuple camerounais. Il faut absolument comprendre que les richesses du Cameroun, les richesses du Togo, les richesses du Mali, du Niger, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, les richesses de toutes ces terres-là, centrafricains, n'appartiennent pas à un pays. Lorsque nous disons « c'est assez à la France », Emmanuel Macron crie à la haine contre la France, les Français et les Françaises doivent se rassurer qu'il y a un lien très fort entre nos deux peuples et ne laissons pas les politiciens de l'Élysée nous instrumentaliser comme ceux du Cameroun instrumentalisent tout un peuple pour parler de tribalisme là où on parle de liberté. Nous nous levons tout simplement pour dire non au projet colonialiste de la France qui se poursuit jusqu'aujourd'hui sur nos terres. Donc, je ferme cette parenthèse pour revenir à notre peuple. Mobilisez-vous davantage. Faites ce qui est à votre possible. Dominez la peur et attendez les prochains mots d'ordre pour prendre d'assaut les rues pacifiquement, pour remettre la liberté, pour la liberté. Et quand je dis mot d'ordre, il s'agit tout simplement de s'organiser. N'attendez plus un mot d'ordre du président élu. Il a accompli sa mission, je peux le dire aujourd'hui. Je ne demanderai même pas aujourd'hui que Biya lève le camp qu'il a apposé là-bas, parce qu'on n'enferme pas la liberté. Je ne le dirai pas parce que le président élu, c'est un petit homme avec un petit parti politique, mais c'est un éléphant dans la tête. Ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai toujours dit, Biya nous a jugés à notre physique sans comprendre que l'esprit est le prolongement de la taille. Donc, nous, être d'esprit, nous qui sommes des âmes, qui sommes insaisissables, des âmes insaisissables, nous disons que personne ne nous arrêtera. Personne ne le fera. Personne. Je dis, vous avez écouté toutes ces personnes qui quittent soit la résistance parce qu'on les avait montées pour entrer soit dans le MRC afin de l'éclater de l'intérieur le moment venu, soit dans la résistance que nous menons dans la diaspora pour l'éclater de l'intérieur, il faut comprendre une chose, et je l'ai dit, si vous voulez quitter le MRC, quittez le MRC. Si vous voulez quitter la Renaissance, quittez la résistance. Mais comprenez ceci, il n'y a que les feuilles mortes qui tombent de l'arbre. Donc, quand un traître quitte un parti, quand un traître quitte une révolution, en fait, personne n'a quitté la révolution parce qu'il n'était ni homme renaissant, ni révolutionnaire. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est bien ça. Voilà. Donc, il faut comprendre que jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a quitté la Renaissance et personne n'a quitté la résistance. Personne n'a quitté la Renaissance et personne n'a quitté la résistance. Voilà. Renaissance et résistance sont des entités indissociables et personne ne viendra à bout de cela. Merci à la police qui prend des photos des peintres de la paix. Donc,
Il faut donc comprendre que notre détermination, la seule personne qui, lorsqu'elle va abdiquer, nous allons abandonner cette résistance, la seule personne, c'est la personne du peuple. Quand le peuple... Apprêtez-vous, il vient ouvrir. Il vient ouvrir. Oui. Amen les people, Paul Diago Kilo. Amen les people. Alors qu'il vient, nous sommes là depuis 2 heures du temps, 2 à 3 heures du temps que nous sommes ici. Amen les people. Voilà, la police va entrer, je dis, la police va entrer. Vous avez écouté nos messages. N'attendez plus un mot d'ordre du président élu ou de qui que ce soit. Il y a une coalition au Cameroun qui a été mise en place pour des consultations, pour diriger la résistance camerounaise. Suivez, faites de petits groupes, organisez-vous. Nous allons vaincre. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Vous voyez, dans un pays normal, dans une ambassade comme celle-ci, les responsables devraient déjà être venus. Dans un pays normal, dans une ambassade comme celle-ci, ils devaient être déjà là pour ouvrir la porte à la police. Mais parce que le Cameroun est ce qui est, parce que le Cameroun est un pays incomprenable, incompris, le Cameroun est un pays qu'on ne peut même pas cerner. Vous voyez, ça fait 3 heures de temps que nous sommes ici. Les responsables de ces locaux ne sont pas là. L'ambassadeur lui-même, l'ambassadeur n'est pas à fuir. La police, elle est là dehors, elle attend qu'on vienne ouvrir la porte. Connecté, partagé. Alors, en fait, nos limousines sont là pour. Ça, c'est nos limousines, hein? Ça, c'est nos limousines. Non, il faut expliquer à notre peuple pas à pas. Partagé. Il y a des enregistrements qui vont se passer, n'ayez pas peur. Les Sardinans vont courir tout de suite pour dire comment l'ambassadeur Djimeli est en route en train d'être rapatrié au Cameroun. Il n'en est rien. C'est vrai que l'œuvre est colossale aujourd'hui. S'il y a prison, ce sera ici en Allemagne parce que... On n'a pas peur. Parce que les prisons du Cameroun, sincèrement, je ne les aime pas. La prison ici, c'est le repos. Oui, je ne les aime pas. La patrouille, la mort. Juste pour que vous compreniez ce qui se passe, ils vont d'abord aller avec 4 personnes, ils vont les enregistrer. Les 2 autres personnes vont rester, vous présenter notre œuvre d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils arrêtent ce live. Tu vas faire quoi? La même chose au Cameroun, c'est quoi? Vous tuez les gens de cul de ta mère. Vous ne pouvez pas les gens au Cameroun. Vous tuez la même chose. Ouais, moi, les Sardinans comme ça là. Tous les gens que vous tuez au Cameroun, là, vous ne pouvez pas. Il faut chanter ta tête. Ça, c'est même qui ça? Laisse-le, on n'est pas papi. Le go pas go. Laisse-le. Le go pas go. Le go pas. Laisse-le. Non, ça va. Laisse-le. Vous voyez, moins que rien comme ça. Tous les morts que vous faites aux nosons là, vous ne voyez pas. Vous savez combien vous avez tué, combien de personnes avez vous tué? Savez-vous combien de personnes? De combien toi, Nadjo? Gibson. La bleue. Gibson. Écoute. Ciseaux. Non, je sais. Was machen Sie hier? Seit drei Stunden? Wir sind hier und wir. Vous êtes là, vous passez le temps à profiter du système. Vous ne faites rien ici là. Vous ne faites rien ici. Vous êtes là pour profiter du système. Regardez-moi celui-là.
c'est la même chose de tous les jours. C'est ta maison. C'est comme ça. C'est lui qui était venu dire la dernière fois qu'on a négocié avec vous. Va travailler. Profiteurs. Depuis quand il y a la guerre, nous autres. Les profiteurs. Combien de personnes sont mortes là-bas? Tu viens te plaindre que chaque jour c'est la même chose. J'ai vu les gens quand tu es au Cameroun. Vous n'avez rien à faire. C'est quoi votre travail? C'est quoi votre travail? Vous n'avez même pas honte. Il est même toi le pays là. C'est ton pays. Bande d'assassins. Criminels. Contre le génocide. Vous voyez? Partagez. Bientôt on va. Bande de tueurs. Vous voyez? Ça fait 3 heures de temps que nous sommes ici et ils n'ont pas. Bon, je reste avec Python parce qu'ils vont laisser deux personnes ici là. Ils vont prendre 4. Oui, je reste avec Python. Vous partez vous faire enregistrer. Non, je veux préciser au peuple de la résistance que voilà, un monsieur qui se présente et puis se plaint de ce qui est en train de se passer. Non, tu peux changer, tu peux dire que tu ne peux pas sortir. Je ne suis pas encore prêt. Donne-moi. Vous voyez, on est assez clés. Ça fait 3 heures de temps avant que la police puisse ouvrir la porte, parce qu'ils puissent ouvrir la porte. Ils n'ont rien à faire. Ils sont en train de dormir chez eux. Ils sont là, ils dorment, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a les clients qui attendent déjà là. Vous voyez? Il y a les gens qui veulent se faire. Voyez-vous? Ils pensent qu'on est là pour jouer. Plus de 20 000 personnes sont déjà mortes. Plus de 20 000 personnes. Mais on les appelle, mais ça n'est pas du genre. Mais il faut qu'ils. C'est comme ça qu'ils ont gouverné le Cameroun depuis plus de 40 ans. Yeah. Come on, friend. Non, oui, vous voyez, dans un pays normal, dans un autre pays, ou dans une autre ambassade du Cameroun, ou d'un autre pays, vous allez voir que les choses devraient être différentes. Les choses devraient être différentes. Et vous voyez le rôle de la police, le rôle que la police joue, c'est d'encadrer toute manifestation pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et ici, on essaie de s'exprimer d'une façon aussi ouverte et d'une façon artistique. On s'exprime aujourd'hui avec de la peinture. Vous voyez, c'est ça, ce sont des choses qu'il faut réellement noter. Il faut noter que nous faisons partie de cette résistance, de cette partie de résistance. Tiens. Ok. Ok. Vas-y, continue le live. Donc, je peux donc continuer à vous expliquer ce que on vous disait déjà. On ne fait que le répéter. Il n'y a rien de nouveau que nous allons dire aujourd'hui que nous n'avons pas encore dit depuis octobre 2018. Il n'y a que une déferlante populaire qui peut libérer le Cameroun. Il n'y a que cela. La diaspora a beau faire tout ce qu'elle fait, c'est dans le sens de vous donner le courage. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est un message que nous envoyons à l'État allemand. L'État allemand aussi doit comprendre que elle ne peut pas être faite État. Elle ne peut pas être signée des accords avec des génocidaires. Et nous allons nous employer avec toutes ces images pour montrer que notre peuple a droit à sa liberté.
L'objectif pour nous, dans cette résistance dans la diaspora, c'est déjà d'isoler ce gouvernement illégitime. Et nous y parviendrons. Ce n'est pas tout simplement... Donc, nous le faisons pour que les gens comprennent partout ailleurs, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Belgique, partout où il y a une représentation diplomatique du Cameroun, nous voulons arrêter ce processus, arrêter ces contrats que les États européens ont signés avec le Cameroun, jusqu'à ce que ces personnes-là comprennent effectivement que le Cameroun de Biya, on ne peut plus rien faire avec cela. Donc, là, c'est notre projet, et ce projet-là, ne vous inquiétez pas, il va aboutir. Il va aboutir tout simplement parce que même ces personnes qui gouvernent des pays européens, ce sont des élus, et le peuple européen, il nous écoute davantage, il retrouve déjà notre contestation. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Suisse, c'est des députés qui ont voté massivement, même si à la fin elle n'aboutit pas cette procédure, mais des députés suisses ont voté massivement pour que Biya soit déclaré persona non grata à Genève, en Suisse. Donc il faut comprendre que le travail que nous faisons, notre part, notre pierre que nous apportons à l'édifice, à la paix, cette part-là est bien vue ici en Occident, et nous vous invitons à faire la vôtre. Faites votre part. Vous savez très bien ce que plusieurs parmi nous ont enduré au Cameroun avant de se retrouver ici en exil. Ok, donc. Beide? Genau. Wissen Sie warum? Genau, haben Sie gegeben. Wissen Sie warum? So, Handy dann raus, ja? Genau, packen Sie mal Handy in die Handy Tasche. Handy weg, ja? Mal raus. Okay, machen Sie mal aus. Können Sie das schon mal durchsuchen? Okay, on va devoir clôturer avec ce direct. Beaucoup de courage pour la résistance.